Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon sur l'approche de la division. Dans cette séance, j'apprendrai à reconnaître des situations de partage, de reconnaître et identifier les éléments d'une division. Le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Donc, je retiens, je vais lire. Quand je fais des partages équitables, je procède à une division. Une division en arabe, c'est al-qisma. Exemple, maman distribue 37 dirhams à ses enfants. Quelle est la part de chacun? Nous avons 37 égale 5 fois 7 plus 2. On appelle 37 le dividende. 7, c'est le quotient. 5, c'est le diviseur. 2, c'est le reste. Je vais répéter. 37, c'est le dividende. En arabe, huwa al-maqsoum. 7, c'est le quotient. En arabe, le quotient huwa al-kharij. 5, c'est le diviseur. Huwa al-maqsoum alayh. 2, c'est le reste. En arabe, c'est al-baqi. On passe à calcul réfléchi. Je calcule les produits. Donc, on va résoudre ces produits sur les ardoises ou bien sur un brouillon. 2 fois 10. Toujours, on fait appel à la règle qui dit quand je multiplie un nombre par 10, je garde le même nombre et je rajoute le 0. Très bien. Donc, 3 fois 9, 4 fois 6, 9 fois 2, 10 fois 3, 8 fois 7, 6 fois 7. On passe aux activités. Premièrement, dans une gare routière, 400 voyageurs montent dans 8 autocars de 54 places chacun. Nous avons dans une gare routière 400 voyageurs. Ces voyageurs montent dans 8 autocars. Ces autocars ont 54 places chacune. Un seul autocar reste incomplet. Donc, 7 autocars vont être remplis. Et un seul autocar, il reste incomplet. Combien faut-il de voyageurs pour le remplir? Alors, on réfléchit et on résout ce problème. Donc, très bien. 400 égale 54 fois 7 autocars plus le reste. Si on multiplie 54 fois 7, on obtient combien? Très bien. Et on rajoute 22 pour obtenir 400. Très bien. Donc, il faut 22 voyageurs. Très bien. Deuxièmement, dans un hôtel, une femme de chambre
répartit 29 couvertures sur 12 chambres. Une femme de chambre répartit 29 couvertures sur 12 chambres. Combien met-elle de couvertures dans chaque chambre? Je complète l'égalité. 29 égale 12 fois combien? Combien plus le reste? La deuxième question. J'écris le nombre convenable devant chaque phrase. Le nombre de couvertures dans chaque chambre est... Le nombre restant de couvertures est... Donc, dans cette égalité, quel est le dividende? Et quel est le diviseur? Quel est le quotient? Et quel est le reste? Avant de répondre, je réfléchis très bien, je mets la vidéo en pause. Après, je corrige très bien. Donc, 29 égale 12 fois 2 plus 5. Bien. Le nombre de couvertures dans chaque chambre est 2. Le nombre restant de couvertures est 5. Pourquoi? Parce que si on multiplie 12 par 2, on obtient 24. Très bien. Donc, nous avons 29. Il faut combien pour arriver à 29? Nous avons 24. Donc, on va rajouter 5. Donc, 24 plus 5 égale 29. Bien. Donc, je complète le tableau. Le dividende, c'est 29. Nous avons 29 couvertures. Et nous avons réparti ces 29 couvertures sur 12 chambres. Alors, le diviseur, c'est 12. On a obtenu le quotient, c'est 2. Donc, 2 couvertures dans chaque chambre. Alors, si on multiplie 12 par 2, on obtient 24. Il nous reste combien de couvertures? C'est 5. Le reste, c'est 5. Bien. Troisièmement, j'écris vrai ou faux devant chaque égalité. Toujours, on met la vidéo en pause et on effectue l'exercice. Je vais lire. 632 égale 12 fois 5 plus 2. 43 égale à 8 fois 4 plus 7. 72 égale à 9 fois 4 plus 0. 13 égale à 3 fois 4 plus 1. 204 égale à 20 fois 20 plus 4. 312 égale à 72 fois 4 plus 84. 479 égale 80 fois 5 plus 79. 23 égale à 7 fois 3 plus 3. Donc, je vais effectuer ces opérations et je vais vérifier si ces égalités sont juste ou ils sont faux. Et je vais écrire dans les cases vrai ou faux. Très bien. Donc, après un moment de réflexion,
correction. Très bien. Donc, 632 égale à 12 fois 5 plus 2, c'est faux. Parce que 12 fois 5 égale 60 plus 2, c'est 62. C'est pas 632. 43 égale à 8 fois 4 plus 7. 8 fois 4 égale combien? 32 plus 7, c'est 39. Donc, c'est faux. 72 égale à 9 fois 4. 9 fois 4, c'est 9 fois 4. C'est 36 plus 0, c'est 36, donc c'est faux. 13 égale à 3 fois 4 plus 1. 3 fois 4, c'est 12, plus 1, c'est 13. Très bien, c'est vrai. 204 égale à 20 fois 20 plus 4. 20 fois 20, c'est 400. Plus 4, c'est 404, donc c'est faux, c'est pas 204. 312 égale à 72 fois 4, c'est combien? C'est 298 plus 84, 4, c'est 372, c'est faux, très bien. Parce que 72 fois 4, c'est 288. Et l'égalité, c'est faux. Très bien. 479 égale à 80 fois 5, c'est 400 plus 79, c'est 479, c'est vrai. 23 égale à 7 fois 3. 7 fois 3, c'est combien? C'est 21. Très bien. 21 plus 3, c'est 24. Donc, c'est faux. Maintenant, on passe au quatrième exercice. Je complète le tableau comme dans l'exemple. Nous avons un exemple, une égalité, et on va remplir les différentes cases. Premièrement, le dividende, le diviseur, le quotient, après le reste. Toujours, on met la vidéo en pause et on effectue l'exercice. Après, on passe à la correction. Donc, je vais lire l'exemple. 350 égale à 31 fois 11 plus 9. Donc, 350, c'est le dividende. Le diviseur, c'est 31. Le quotient, c'est 11. Le reste, c'est 9. Donc, si on multiplie 31 fois 11, on obtient 341. Bien. Et 341 plus 9 égale 350. On remplit le tableau et on passe à la correction. Après avoir rempli le tableau, on corrige. Deuxième égalité. 4518 égale 85 fois 53 plus 13. Donc, le dividende, c'est 4518
18. Le diviseur, c'est 85. Le quotient, c'est 53. Le reste, c'est 13. Parce que si on multiplie 85 fois 53, on obtient 85 fois 53 égale 4505. Plus 13, c'est 4518. Alors, 132 égale à 13 fois 10 plus 2. Donc, parce que c'est le dividende, c'est 132. Le diviseur, c'est 13. Le quotient, c'est 10. Le reste, c'est 2. Parce que si on multiplie 13 par 10, on obtient 130. Très bien. Toujours on fait appel à la règle de si on multiplie un nombre par 10, on garde le même nombre et on rajoute le 0. Très bien. Donc 13 fois 10 égale à 130 plus 2, c'est 132. 258. Le dividende, c'est 258. Le diviseur, c'est 50. Le quotient, c'est 5. Le reste, c'est 8. Parce que si on multiplie 50 fois 5, on obtient 250. Plus 8, c'est 258. Dernièrement, 98, c'est le dividende. Donc, le diviseur, c'est 9, le quotient, c'est 10, le reste, c'est 8. Parce que si on multiplie 9 fois 10, on obtient 90. Plus 8, c'est 98. Très bien. Mes chers élèves, c'était la leçon de la division d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Au revoir.